Mathieu Belliard. Et rebonjour Éric Ciotti, merci d'être resté avec nos auditeurs ce matin jusqu'à 8h45, député LR des Alpes-Maritimes, je le rappelle, mais membre, vice-président de cette mission d'information de l'Assemblée nationale sur le Covid-19. Les parlementaires qui se penchent donc sur la gestion de la crise du coronavirus, qu'attendez-vous de concret comme réponse? C'est ce que je dis à nos auditeurs. Quelles sont les zones qui restent floues à vos yeux? 3921 et le hashtag Radio Ouverte. Vous en parliez avec Sonia Mabrouk à l'instant et Fred nous écrit sur le hashtag Radio Ouverte au sujet du déconfinement. Sur information, quel est l'intérêt d'en parler? On montre un bonbon aux Français en leur disant de ne pas le prendre. En Allemagne, pas de débat, c'est juste trop tôt. Éric Ciotti, on a parlé de déconfinement trop tôt? Bien sûr, on a parlé du déconfinement trop tôt. Quand on a encore 500 morts par jour, quand on voit la situation de nos hôpitaux où il y a 7000 personnes en réanimation, on n'est pas dans le temps, malheureusement, du déconfinement. D'autant que nous ne sommes pas prêts, il faut le dire. Le pays n'est pas prêt à ce déconfinement. Je le rappelais devant Sonia Mabrouk il y a quelques instants, il faut deux préalables au déconfinement. Il faut des tests fiables en quantité suffisante, et il faut des masques pour protéger la population, notamment d'une deuxième vague potentielle qui pourrait arriver. Et aujourd'hui, ces deux éléments sont loin d'être au rendez-vous. Quitte à prolonger ce confinement, alors on sait que ça devrait dépasser le 15 avril, il n'y a rien d'officiel pour l'heure, mais quitte à le prolonger dans le temps, dans plusieurs semaines? C'est aux autorités sanitaires de le dire, mais très clairement, le 15 avril sera dépassé, nous le savons, il faudrait mieux d'ailleurs le dire. Il y a d'autres pays qui ont eu des stratégies différentes. Regardons ce qui se passe en Corée, dans les pays du sud-est asiatique. Regardons ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe. Pourquoi ont-ils eu cette stratégie? Parce que au départ, ils ont testé systématiquement les personnes qui étaient atteintes par des symptômes. Ils ont isolé les personnes dans des structures hospitalières, bien sûr, avec la dignité qui convient. Ils ont isolé ces personnes. Ils ont suivi celles avec lesquelles elles ont été en contact. Et la population, de façon générale, a bénéficié d'un port du masque. Et là, la maladie a été contenue. Regardez la stratégie, c'est un pays équivalent au nôtre, mais avec un bilan malheureusement extrêmement différent. Il y a 100 000 cas détectés en Allemagne, il y a 1400 morts. Il y a aujourd'hui en France 80 000 cas détectés et il y a 8 000 morts. C'est le bilan, il est tragiquement différent parce que ce pays a su anticiper de façon très différente du nôtre. Il faudra faire le bilan à terme, mais pourquoi l'Allemagne, en tout cas ses résultats aujourd'hui qui sont on peut pas dire positifs quand il y a 1400 morts bien sûr, mais qui en tout cas sont moins sévères qu'en France, parce qu'il y a eu cette stratégie différente et parce que sans doute la crise a été anticipée de façon plus différente. Précoce et plus pertinente. Fernand est en ligne avec nous depuis Grenoble. Bonjour Fernand. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Europe 1. Fernand, merci. Vous avez composé le 3921. Votre question pour Éric Ciotti. Bonjour Monsieur Ciotti. Voilà, je vous écoute ce matin. Bonjour. Donc, ma question, c'est sur l'anticipation du déconfinement. Voilà, on a suffisamment reproché au gouvernement de n'avoir pas su anticiper la crise, dont acte. Pour aujourd'hui, on leur a posé donc la question au Premier ministre de la question sur le déconfinement. Et aujourd'hui, à Uyalia, on reproche d'avoir dit, le déconfinement, comment il va se passer? Pour moi, en fait, et puis la question arrivera, anticiper, c'est prévoir. OK? Donc si, moi, personnellement, j'ai été rassuré quand j'ai su que le gouvernement se préparait et préparait, je veux dire, ce déconfinement. Il y a deux questions, en fait, que je voudrais poser. Allez-y. La première, c'est la responsabilité au niveau des Français. Il faudrait quand même, à un moment ou à un autre, que les Français se prennent aussi en main. Ça, c'est la première des choses. Comment faire? Eh bien, il serait grand temps que les Français s'interrogent. La deuxième chose, c'est pourquoi reprocher au gouvernement d'anticiper sur le déconfinement et prévoir tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire les tests, comment la sortie du... Mais si on n'anticipe pas, comment voulez-vous que l'on prévoie la sortie Alors, de cette crise? Restez en ligne, Fernand, qu'Éric Ciotti puisse vous répondre. Ne raccrochez pas, Fernand. Éric Ciotti. Sans problème.
Bien sûr que je souhaite du fond du cœur, comme chaque Français, que cette période, qui est une période extraordinairement difficile bien sûr, et dramatique pour les familles qui sont touchées, dramatique pour les malades, mais aussi pénible et difficile pour des Français qui sont confinés, soit la plus brève possible. Mais pour qu'elle soit la plus brève possible, bien entendu, il faut de la responsabilité, nous l'avons dit, vous le soulignez et vous avez raison, et la responsabilité quelquefois s'accompagne de la peur de la sanction, mais il faut aussi, et c'est là où j'ai une nuance avec le gouvernement, que lorsque nous annonçons ce déconfinement, nous soyons prêts pour le faire. Et pour qu'il soit légitime, qu'il soit possible, il y a plusieurs conditions. Et ces conditions, je les souligne à nouveau, il faut qu'il y ait des tests, et notamment les tests sérologiques, c'est-à-dire avec les prises de sang. Sur les conditions, parce que vous les avez déjà détaillées. Alors je reprends Fernand, parce que Fernand, quelque part, ce que dit Éric Ciotti, c'est pas qu'il ne faut pas se préparer. Éric Ciotti dit qu'il ne fallait pas forcément en parler si tôt aux Français. C'est pas la même chose. Je veux dire, en parler si tôt aux Français, ça veut dire les responsabilités aussi. On ne peut pas quand même compter que sur le gouvernement. Si les Français ne se prennent pas en main, comment voulez-vous qu'on en sorte ? En fait, vous allez peut-être vous rejoindre, en fait, Éric Ciotti et Fernand. On va tous se sortir. Enfin, on y est. Moi, ce que je souligne, et je crois qu'on se rejoint là-dessus, en effet, c'est qu'il ne faut pas de message de relâchement à ce stade, parce que nous sommes encore au cœur de la pandémie, et qu'il ne faut aucun relâchement, et qu'il faut être prêt à l'étape qui va suivre. Et pour l'instant, nous ne sommes pas prêts. Et le débat sur la responsabilisation des Français, quelque part, rejoint cette question du relâchement hein, dont nous avons parlé et dont nous reparlons ce matin avec nos auditeurs au 39-21. Aurélien, à 29 ans, il est au Mans, et il vous demande s'il faudrait un projet d'installation de couvre-feu généralisé. Éric Ciotti, vous m'entendez ? Oui, toujours je vous à distance, entends. Évidemment. Allez-y. Il faut toutes les mesures de protection adaptées. Certaines villes ont pris des couvre-feux. C'est le cas dans mon département, dans le département des Alpes-Maritimes. Le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté de couvre-feu pour après 22 heures, à l'initiative des maires, notamment du maire de Nice et du maire de Cannes. Dans certaines zones, là où la loi de la République n'est pas respectée, oui, c'est utile. Et j'avais personnellement, je l'ai souligné à l'Assemblée nationale, souhaité que l'armée, dans le cadre de l'opération Résilience, puisse prêter main forte aux policiers et aux gendarmes pour faire respecter ces mesures de confinement là où elles ne le sont pas. Donc dans certains quartiers, dans certains territoires où il y a des personnes qui défient la République, eh bien il ne faut pas hésiter à mobiliser tous nos moyens, y compris l'armée, pour faire respecter ce confinement. Parce que qui dit couvre-feu ou qui dit confinement appelle naturellement au respect de ces règles. Et lorsque ces règles ne sont pas suivis avec la prudence nécessaire, eh bien, il faut qu'il y ait la possibilité d'entrer dans des sanctions. Et là, il faut des moyens. Justement, il faut savoir que nous avons aujourd'hui 10 000 policiers qui ne peuvent plus agir parce qu'ils sont confinés, parce qu'ils sont placés en isolement, parce qu'ils ont été potentiellement contaminés. C'est ça aussi, cette réalité. On n'a pas pu l'aborder tout à l'heure, mais je voudrais rendre hommage, bien sûr, aux soignants, bien sûr, à cette mobilisation formidable dans le pays, mais rendre hommage aussi à nos forces de l'ordre qui font respecter ce confinement, souvent sans protection, ce qui, là encore, est un scandale absolu de ne pas protéger nos policiers. On a dit que c'était inutile. Bien sûr que c'est utile que nos policiers et gendarmes aient ces outils, ces masques de protection. Alors cette remarque ou question de Florence dans les Hautes-Alpes qui nous précise qu'elle est loin des villes, vous demandez si les règles sont appliquées correctement, mais elle se demande s'il n'y a pas du laxisme des forces de l'ordre vis-à-vis des Français qui ne respectent pas le confinement. Est-ce qu'on sanctionne suffisamment, Éric Ciotti ? Les forces de l'ordre sont extraordinairement courageuses, parce qu'en plus elles sont mobilisées sur plusieurs fronts, n'oublions pas
que nous avons fait face à un attentat islamiste ce week-end à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, et il ne faut pas baisser la garde. Il y a une menace sécuritaire partout dans notre pays. En même temps que la crise sanitaire, il y a une menace sécuritaire qui va être d'autant plus forte qu'on est en train de remettre en liberté ou de ne pas faire rentrer en prison beaucoup de personnes. Hein. Plusieurs milliers ont déjà été mis en liberté. Il faut savoir aussi que les centres de rétention des étrangers en situation irrégulière, notamment ceux qui allaient être expulsés, ont quasiment tous été fermés et on y plaçait des personnes très dangereuses. Donc il faut que les policiers soient mobilisés aussi sur leur cœur de métier traditionnel, celui de la protection des Français. Donc, ils font leur travail et il y a eu beaucoup de contrôles et je veux rendre hommage aux forces de l'ordre qui sont, là encore, sans moyens. Et c'est absolument pas normal que le ministère de l'Intérieur ne dispose pas de masques et qu'il n'ait pas eu les moyens de protection pour nos policiers, pour nos gendarmes. Et ils sont en première ligne dans ce combat et je leur dis ma reconnaissance. Et ce sera l'un des objets justement de cette mission d'information de l'Assemblée nationale sur le Covid-19 dont vous êtes le vice-président Éric Ciotti. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci de questions-réponses à nos auditeurs. Je renvoie aussi nos auditeurs vers une interview, une de mes invitées la semaine dernière. C'est la nouvelle patronne des stupes de la PJ parisienne qui nous parlait des policiers qui continuent leur travail, y compris les à côté hein, du confinement, notamment sur le télétravail pour les écoutes chez les policiers, à retrouver sur Europe 1.fr. Éric Ciotti, merci beaucoup. Il est 8h43.